Chers confrères, ce moment est un moment historique pour notre profession puisqu'à Versailles est rassemblée aujourd'hui la quasi-totalité des barreaux d'Île-de-France. Nanterre, Versailles, Chartres, Essonne, Val-de-Marne ou encore Pontoise, la plupart des avocats des barreaux d'Île-de-France a fait le déplacement ce matin. En ligne de mire, la réforme Macron et la création d'un statut d'avocat d'entreprise et l'introduction de capitaux. Ce que les avocats voient comme une perte d'indépendance de leur profession. On a le sentiment de ne pas être entendu, effectivement. Quand on a un ministre de l'économie qui légifère pour la justice, c'est vrai que c'est quand même... C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous. Il n'est pas dans l'habitude des avocats de faire grève. Un avocat, ça travaille 70 heures par semaine. Ce n'est pas son style de vie que de faire grève. On n'est pas là pour battre le pavé. On est là pour plaider, on est là pour défendre. Si on l'a fait, c'est vraiment parce qu'on avait le sentiment que le justiciable était au cœur réel du problème. Alors pour se faire entendre, une semaine d'action a été faite. Cette manifestation intervient après une grève et plusieurs suspensions d'audience. Puisque comme les avocats demandaient les renvois, qu'il n'y avait pas d'avocats, des magistrats dignes de ce nom n'ont pas voulu prendre les dossiers. Donc ça veut dire que pendant 48 heures cette semaine, il n'y a pas eu de justice dans la quasi-totalité de la France. Nous avons constaté que nous avions un accueil favorable de très hauts magistrats. Et ce qui est un véritable malheur dans ce pays, c'est que ces hauts magistrats ne sont même pas consultés sur cette réforme. Les avocats ne comptent pas s'arrêter là. La mobilisation devrait continuer la semaine prochaine s'ils n'obtiennent pas satisfaction.